Hello les amis, cette fois-ci on est parti avec les maîtrises basiques que je vous avais faites dans ma vidéo. Donc tout à l'heure c'était vraiment pour... L'autre vidéo c'est vraiment pour vous montrer. Mais du coup si vous avez regardé cette vidéo d'abord, vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Et ouais. Donc déjà si vous regardez la VOD, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ok. Et là je live sur Twitch. Et en fait c'est une VOD. C'était sur YouTube. Sinon c'est vrai, c'est sur Twitch avec Perluva. Bon ok j'arrête. Bon on a beaucoup d'AD. On va avoir beaucoup d'AD. Là c'est les dégâts avec ces maîtrises là sont bien meilleurs. C'est rune, j'ai du mal. Hein. C'est rune. Ok, ça c'est l'ancien Thunderlord, mais plus difficile à proc. Parce qu'il faut 3 spells et attaques différentes ça. 3 attaques séparées ou 3 spells différents, ouais. C'est plus difficile à proc avec MF, c'est pas faisable. Quoique si c'est peut-être faisable, mais. Mais c'est pas suffisamment intéressant. Calme-toi, Guts. La scène. Mais c'est bon, j'ai changé la scène là, non? Mais c'est bon la scène, non? Dites-moi si c'est pas bon, mais moi je vois la bonne scène, non? Ok, bon, j'ai cancel 2 auto-attaques. Je pense que Bard. Ouais, ils étaient. Ils ont essayé de m'escroquer. Oh non! Ah, j'ai raté. Vous avez vu les dégâts? Est-ce que vous avez vu les dégâts? Bah, du coup, j'ai absolument raté tous mes coups. Ok. Je pense que j'avais pas besoin qu'elle me les pique, hein. Mais là, pour l'acide avec MF, genre, c'est trop easy. Mais elle fait un peu chier, du coup, là, c'est accroché. Mais genre, en early, les rebonds qui font quasi du 200, ça fait tellement plaise. Vous imaginez pas. Laisse-moi tranquille. Ok, bon. On va perdre un peu, quoi. Ok. Un peu triste. Il faut qu'elle se calme, hein. On va juste... Bon après on a Janna. Meilleur sub c'est clairement pas Janna hein, parce que nous on est ultra aggro. Genre Leona c'est parfait je dirais. Leona Brom c'est trop bien. Et oui les bons dégâts. Bon après ça nous permettra de mettre beaucoup de dégâts. Mais non. Bon, c'est un peu de coup, ou... Ouais. Bon ça met quand même des bons dégâts hein, là. Ça met quand même des bons dégâts. Et... Lol. Elle a eu peur. Elle a eu peur du rebond. Vous voyez 200 hein, quasiment. Ah, un peu dommage. Oh nice. Allez. Allez. Oh merde. Oui. Oh non. Oh non. Oh non. Dommage. Dommage, dommage. Elle est un peu grid. Elle est un tout petit peu grid. Et nous, on va peut-être pas trop grid. Hein. Le mid, on sait pas trop où ce qu'il est passé. Ah. Ok. Voilà, c'est ça que j'attendais. Ah. C'est dommage que Janna ait essayé de trade. Ah mais là, du coup... Bon, en vrai, ça va. J'ai eu 2 assists. C'est le stress. Ah. On va peut-être back, hein. On va peut-être back. Ah, on va peut-être back, je pense. On... Mais... Bon, on va back. Ouais, c'est vrai que Captain Neve, c'est quand même un bon skin. Hein. Là, c'est vrai que... Je crois que ça... bah, c'est mon skin préféré, hein, Captain Neve. Bon, phase de lane un peu bizarre, mais ça va. Janna, ok. Alors, en termes. J'ai touché 67% de mes comètes, hein, donc c'est pas mal, on est d'accord. Nice, ok, il y a une flash. Nice. Wow!
Mais ils sont complètement fous ces gens. Yes. Oh non. Oh nice. Putain, mais c'est trop bien. J'ai une team. Du coup j'ai pu collecter mes eyeballs. Chasseur de globes oculaires. C'est quoi ça? Attendez. J'ai raté le crédit. Moi qui disais que c'était facile. I must be boosted. Alors on va faire un petit bug histoire d'avoir une autre épée longue. Sachez qu'une épée longue peut faire la différence. J'ai gagné 4 d'AD. Ok, très bien. Donc ce qui... Bah je pense que ça peut être également intéressant ça là. Ravenous Hunter. C'est comme ça en fait. Parce que c'est les spells. Ouais. En gros, je pense que c'est... En fait, c'est le passif de Death Dance. C'est ça heal par rapport aux dégâts des skills. Et comme on fait beaucoup de dégâts avec le R, je pense que ça doit bien nous heal. C'est à tester. Je sais pas si ça marche. C'est pour ça que je le teste là. Sur un smurf en ranked. À l'aise. Mais il est fou, hein. Calme-toi. Ok, Barbe est revenu. Parce que je pense qu'il était en train de roam. Ok, on va se régénérer un peu. Bon, du coup, vous avez pu voir que c'était quand même pas mal mana vor. Après, Sivir en soi, il a utilisé plus de mana que moi, hein, donc c'est ok quoi. Ah, what? C'est considéré comme un sort ça? Mais quel est le fuck? Ah, mais là je suis baisé. Ah mais d'un côté c'est bien comme ça, elle va pas esquiver mon arc. Et oui. Et oui. Pas de toi attaque Jana, nice, elle a compris ça. On est sous une 6. Bard il est 4 hein. Ah ok, Bard il a perdu l'XP en fait. Faut juste qu'on fasse gaffe. Parce que le combo... Nice. Je veux juste R pour avoir le stack de R. Je savais que je pouvais pas mourir a priori. Donc voilà. Maintenant en fait j'ai envie de spam l'ulti comme ça. Je sais que quand je serai à 20 minutes de jeu, bah j'aurai stacké tous mes ultis déjà. Et ça c'est trop bien. Est-ce qu'il faut push davantage ou pas? Non, pas besoin. Nice. Back. Donc là on est bien. En termes de CS, bon, on peut mieux faire, on peut clairement mieux faire. J'en ai raté plein de manière non nécessaire. Donc là, on est bien, on est vachement bien. Je vais voir le heal que ça fait en fait sur ça. C'est que je suis extrêmement intrigué. Arrête de te faire... Non mais je rêve. Calme-toi, c'est moi qui carry les autres là. Ouais, là ouais, c'est pas le même délire déjà. Bon, après on est niveau 1. On a à peine un item CDR. Ce n'est clairement pas la même chose. Ok, on y va. Ok, calme-toi. Oh shit. Jana, arrête. Mais pourquoi il a fait ça? En fait, elle a mis une auto pour que la tour la tue, alors que normalement, la tour met une auto et... Mais oui, si vrai, tu commences à prendre cher, hein. Ok. Le prochain, tu vas te le prendre, ok. Là, j'ai eu quand même quelques erreurs de communication. Ah, mais il est toujours 5, Bard! Calme, hein. Ok! Ah, non, 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 ok.
En fait, il faut me laisser. Ouh! Oh my god! Vous avez vu ou pas? J'étais presque mort avec le rebond. Oui, je sais, je me casse là. Bon, ok. Bon, ce build, il fait plus de dégâts. Ça, y a pas de doute là-dessus. Alors, en termes de précision, 70. Vous voyez que c'est pas ça très difficile à rater, on va dire. À toucher. Oui. Je me comprends. Oh, on m'a team SCS bien là, dis donc. Ah, bah attendez, c'est. Ah, mais c'est Jarvan. Ah, ok. Ah, d'accord, ok. Jarvan, on est tous létalité. Hein. Ça a juste stacké de l'armure. Oh non, quelle erreur. Enfin, ça flash. J'en ai absolument rien à foutre en fait sur les flashs. Je veux ulti. C'est un peu YOLO, faites pas comme moi, c'est mal. Faites pas comme moi les gars. Est-ce que j'ai bien tenu? Non. Putain, mais quelle erreur. Mais quelle erreur. Ok. Ok, il y a Bard. On va mettre Ward ici. Coup de pression. J'aime trop mettre les coups de pression. C'est trop marrant. Parce qu'une fois que t'as mis le coup de pression, là, ils sont baisés. Là oula. Là, on va juste push. Ah. Eh oui, sauf que moi j'ai une putain de team les gars. Putain mais. J'ai une team, mais c'est incroyable hein. Il y avait Xin et Jarvan hein. Les deux. C'est incroyable. C'était incroyable. C'est donc ça d'avoir des teammates. Non, autant continuer, non? Autant continuer les gars. En plus j'ai avoir mon ulti. Lui va avoir son Demacia. Oh tu te calmes quand même là. Là on va faire Demacia. Mourir. Complètement free. Completely free. Bien. Nice. Ok, y'a pas de raid. Il aurait dû me laisser. Une idée. Force stats. Peut-être triste. Ben oui, j'en avais besoin. Parce que les wards, ils donnent des stacks parce que c'est des yeux. Et ouais. Et ouais. Bon, on va go mid. Echo. Go bot. On va go mid. Allô? Mec? Ouais, ok, nice. Alors on va prendre prendre mid et ensuite. Vous voyez que c'est pas très. Oula. Allô, les amis? Ah, shit. Ok. Et oui, quelle erreur d'être resté. Il va Demacia, non? Ah non, so, ok, bon. En fait, on les défonce, hein, mais à un point. Mais laissez-moi. Ah. Ok, nice. On est bien. Putain, mais la bonne game qu'on fait, là. On est plutôt bien. Un peu trop bien, en fait. Du coup, je peux pas trop m'exprimer. Je suis sur 9 kills. 9 des 16 kills. Attends, ouais, attends. La Janna, elle est un peu int, hein, quand même. Faut dire les choses, hein. Janna, elle est un peu int.
Mais attendez, mais c'est quoi cette game là? Oh, j'ai eu les trois. tac. Et ensuite... Du coup, on va devoir acheter les bots. Mais là, c'est bien, genre, on est pas mal, quoi. Ça nous fait 30%, on va finir les bots, ça nous fera 40. On a... Nice. On a du coup 18 d'AD en plus. On a... Il faut qu'on fasse encore deux fois. Donc d'ici 20 minutes, je pense que... Il y aura bien les deux fois d'ulti. Faudrait faire... Voilà, frappé. Okay. Oh non, le kill avec rédemption. Ah, allô, allô, allô. Ah, allez, ok. D'accord. Ouf. En soi, ça m'a pris un stack. En fait, je suis en train de stack tellement tout et n'importe quoi. Alors, attendez. Mais du coup, en fait, ça me heal sur tout. Ça veut dire là, mon A, il me... Il me régène, en fait. Non, 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 non. Ah oui, effectivement. Waouh, mais c'est broken. Bah attendez, mais c'est complètement broken, cette merde. Bah attendez. Il va falloir que je refasse le guide. Non, je pense que c'est pas mal pour le côté sustain. En fait, genre ça plus Death Dance, ça peut être vraiment sympa pour le sustain. Parce qu'on va sustain de ouf, justement. Bah les couilles, hein. Non, non, Echo, je te vois. Je te vois, Echo. Ok. Bon, on va continuer, non? YOLO! Faudrait que je back, parce que je peux acheter mes bots, là. Gameplay de qualité. Juste E-R, E-R. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends. Wow! Il s'est fait one shot. Oh non! J'ai raté l'auto. Non mais c'est le lag! Ça vous savez, ça c'est clairement à cause du lag. Hein. Clairement à cause du lag. Mais c'est un gros stomp. C'est un gros stomp. Genre tout le monde joue bien dans ma team, c'est incroyable. Mais comment je fais pour montrer que c'est bien du coup? Bon, c'est pas grave. Mais tac. Et du coup ça fait beaucoup d'AD comme ça. Voilà. Donc ça c'est stacké. Là tout est stacké, là c'est vraiment opti. Vous voyez, on va être à 20 minutes de jeu. J'ai 40% de CD, je suis même overcap un peu. Bon, celui-là du coup, comme c'est encore très très tôt, j'ai que 5 d'AD, bientôt 10 d'AD dans 20 secondes. Et du coup tout ça c'est free. Tous ces AD sont free. Et nous comme on est un AD caster, bah on est bien quoi. What the fuck. Oh shit. Attends, on va essayer hein. Pourquoi il TP? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'aurais dû le garder pour là mon outil. Bon, enfin, ça revient dans 30 secondes. Oh là là. Mais c'est terrible. Non! Arrêtez! Non! Je me suis fait bait. Par ma propre team! Moi, je vais m'amuser aussi, là. Après, les mecs, dès que j'arrive, ils s'en vont aussi.
On peut pas trop s'abuser du coup. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai 3-1. J'ai un peu int. Ah. Il en peut plus. Ah oui. Ah oui, oui. Effectivement, on est en 2-7. Ben sinon, on pourrait go Nash, hein, l'histoire de voir. Et voilà, là, on est à 276 d'AD. Normalement, je pense qu'on en a genre. Combien au moins 18. 18 plus 11. De 29. On est quasi in-dev déjà là. Sauf que là, on va partir sur ça. Ah, mais. Mon troisième item. Bon, après, vu comment on est bien dans la team, c'est pas nécessaire, mais. J'aurais pu genre partir aussi sur Black Kiva. Parce que comme il y a beaucoup d'AD dans la team, ça aurait pu être pas mal. Ah. Nooo. Can you stop ulting the same as the game? Worf. Worf. J'ai tellement de grid. Ouais, mais je l'ai tué. Mais en fait, ça m'a pas régène. C'est ça que je voulais tester en fait. Du coup, l'ulti ne m'a pas régène. Alors attendez, il faut que je lise bien. Mais si. C'est censé, mais c'est dommage que ça soit pas indiqué. Parce que 15% des dégâts qu'on deal, c'est énorme, genre. Alors je sais pas trop. Je ne sais pas. Merci pour le follow, tonton 540. J'ai pas la notif, je sais pas pourquoi, je viens de le voir. Bon allez, on va essayer de finir cette game quand même. Alors, les... quand même, vous voyez, c'est quand même facilement touchable. J'ai fait 1222 dégâts. Donc 77% de précision. Donc Comet. Voilà, pourquoi Comet et pas Aerie. Aerie, j'aurais touché plus parce que ça touche automatiquement systématiquement. Mais j'aurais fait bien moins de dégâts. Parce que Aerie, déjà, ça a été nerf. Mais qu'est-ce qu'ils font Ok, là, j'ai un peu... Oups. Oh non. Oh. JPP de moi-même. JPP. JPP de moi-même. Pourquoi je grille? Je fais n'importe quoi. Je fais absolument n'importe quoi. Hein. Faudrait que je finisse la quête. J'ai déjà dit ça et j'ai une. Ouais, let's finish this. Ah, parce que c'est pas marrant là. Faut que je finisse. Il faut que je finisse. J'ai beaucoup d'AD, hein. 3 items, 322 d'AD. Hein. Avec tout stacké, évidemment. Bon, là, idéalement, on va partir sur du Black Cleaver, mais je pense pas j'ai le temps de faire tout ça. Ah, j'ai arrêté de last hit, j'ai tout arrêté. Faudrait que je joue un peu au jeu, hein, quand même. Des bons dégâts. Mais du coup, on fait quoi, les gars? Faudrait qu'on groupe et qu'on finisse, en fait. Vraiment. Bon, là, je vais faire des plays. Ok. Là, je vais faire des plays. Wouah, les projects sont trop stylés. On arrive. J'arrive. C'est quoi le truc qui tourne autour de moi, là? Ah, c'est une comète, c'est une comète. Ah, je le refais, ok. Je suis quand même meilleur 3 fois hein, dans cette game où on se trompe. Je vais me venger, je vais me venger. Vous allez voir, je vais me venger. Je vais tellement me venger. Attention. Attention les yeux, plays incoming. Bon, on va peut-être juste mourir comme les deux fois précédentes. But it's ok. Oh non. Déjà quoi tu meurs.
Ah non, j'aurais aimé Ulti dans. Bon bah GG. Bon bah voilà. Bah pour un test live, ça s'est plutôt bien passé. Bon, on va voir un peu les dégâts. Je pense que j'en ai pas fait tant que ça. En vrai. En vrai, je vais honorer la Janna. On a beaucoup mieux joué cette fois-ci sur la botlane. On a beaucoup mieux joué. J'ai rien eu, j'ai eu A+. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Ah, j'ai fait quand même plus de dégâts hein. On va pas se mentir les gars. Voilà, voilà, là, la preuve. Même en intent, on a fait plus de dégâts. on va voir un peu les dégâts qui ont été faits avec toutes ces maîtrises quoi. Bon du coup la game elle a pas duré longtemps. J'ai pas pu profiter totalement de certaines runes. Genre là j'ai fait avec Arcane j'ai fait 1365 de dégâts. Sachant que la game elle a pas duré très longtemps hein. Elle a duré quoi, 20 minutes non? Ouais 25 minutes. Ensuite, donc j'ai pu cap à fond, j'ai pu avoir 11 d'AD, 14 d'AD, 18 d'AD, vous avez beaucoup d'AD. Et Ravenous Hunter, c'est vachement intéressant, mais je sais pas si ça style sur le R. Si ça style sur le R, en fait, c'est un genre de Death Dance avant l'heure, donc c'est vachement intéressant. Je pense que ça peut être une alternative pour faire plus de, pour avoir plus de sustain et pas plus de dégâts. Sinon, c'est pas mal. Donc voici la page de runes utilisée. C'est celui-ci. Donc voilà, donc c'est pour ça. Bon, j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai choisi Comet et pas Aerie, sinon voilà. Donc cooldown de l'ulti en moins, CDR capé assez simplement à 20 minutes. Et plus ça dure, l'histoire de garder un certain scaling. Comme ça, si la game dure trop longtemps. Parce que souvent, la guerre, quand elle dure trop longtemps, bah, ça commence à avoir trop d'armure. Du coup, on commence à faire moins de dégâts. Et là, ça nous permet de faire. Bonne nuit à vous deux. Bye bye, merci d'être passé en tout cas. Ensuite, Ice Ball pour avoir plus d'AD lorsqu'on tue des gens, normal. Et là, Lifesteal au lieu de Chip Shot pour avoir plus de sustain et ça plus de dégâts. Les deux sont viables, je pense. Donc voilà, si vous avez bien apprécié, n'hésitez pas à pouce bleu la vidéo et me follow sur les réseaux sociaux qui se trouvent en bas de la vidéo. Voilà, bye bye.